Nous demandons au Seigneur de la parole, nous demandons d'être attentifs à sa présence.
Je ne pas de tout ce qui m'a dit, je ne pas de tout ce qui m'a dit, je ne pas de tout ce qui m'a dit, je ne pas de tout ce qui m'a dit, je ne pas de tout ce qui m'a dit, je ne pas de tout ce qui m'a dit, je ne pas de tout ce qui m'a dit, je ne pas de tout ce qui m'a dit, je ne pas de tout ce qui m'a dit, je ne pas de tout ce qui m'a dit, je ne pas de tout ce qui m'a dit, je ne pas de tout ce qui m'a dit, je ne pas de tout ce qui m'a dit, je ne pas de tout ce qui m'a dit, je ne pas de tout ce qui m'a dit, je ne pas de tout ce qui m'a dit, je ne pas de tout ce qui m'a dit, je ne pas de tout ce qui m'a dit, je ne pas de tout ce qui m'a dit, je ne pas de tout ce qui m'a dit, je ne pas de tout ce qui m'a dit
il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la vache grise et les proches, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installé des marchands de bœufs, de brebis, des Juifs l'interpellèrent : Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? Jésus leur répondit : Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent : Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais ? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe ce jour-là dans le temple ? Qu'est-ce que Jésus fait avec des cordes ? Ouais, vas-y, dis. Il fait un fouet. Oh là ! Il fait un fouet, qu'est-ce qu'il fait avec ce fouet ? Ouais, on n'entend pas très bien. Hein ? Il chasse les marchands du temple. Hein ? Et il chasse aussi les bœufs et les brebis. Et puis, il jette l'argent par terre, et puis il dit aux marchands de colombes, enlevez cela d'ici. Vous voyez, avec son fouet, il ne chasse pas les colombes. Hein. Il dit aux marchands de colombes, enlevez cela d'ici. Je dis ça, c'est pour remarquer que c'est une colère, certainement, mais c'est quand même une colère maîtrisée. C'est-à-dire, ce n'est pas tout à fait le même traitement avec les bœufs, les brebis, qui sont quand même des animaux quand même un peu costauds, les marchands, l'argent par terre, et les colombes enlever cela d'ici. Donc Jésus, en fait, a décidé, enfin, tel que c'est raconté, de poser un signe. Un signe parce qu'il y a quelque chose qui le met peut-être en colère, mais ce n'est pas une colère comme nous quand on a un coup de sang, c'est une colère qui exprime quelque chose, qui dit quelque chose. Alors, pourquoi il y a des bœufs dans le temple ? Parce que nous, les bœufs, c'est dans les prairies, hein, d'habitude, ou dans les étables. On n'a pas tellement de bœufs dans les églises. Enfin, si, peut-être des fois dans les crèches, mais ce n'est pas des vrais bœufs. Hein. Ils ne broutent pas. Hein. Pourquoi il y a des brebis ? Parce que le temple de Jérusalem, le temple, c'est l'endroit où les gens font ce qu'on appelle des sacrifices. Des sacrifices, c'est-à-dire qu'ils disent « Moi, je n'arrive pas à donner ma vie à Dieu. C'est un peu compliqué, mais au moins... » Je lui donne certains de mes animaux, je sacrifie des animaux qu'après on va manger, enfin ça dépend des sacrifices, mais c'est pour te dire, ben, tout ce que je voudrais te donner, ben, je te le donne symboliquement à travers ces animaux. On fait des sacrifices pour remplacer peut-être les efforts que je ne peux pas faire, voilà, donc je fais des sacrifices, je te donne ça. Alors, ces sacrifices, si les gens vont les faire au temple de Jérusalem, c'est... Et nous, à la messe, on fait aussi, on appelle un sacrifice. On appelle quelquefois à la messe le saint sacrifice. Sauf que là, il n'y a pas de bœuf, il n'y a pas de brebis, il n'y a pas de colombe. Bon.
on ne tue pas d'animaux. Le seul qui donne sa vie, c'est Jésus. Il a déjà donné sa vie, il s'est sacrifié, c'est-à-dire il a tout donné pour nous, il a donné sa vie, et donc nous, on se rappelle de ça, on se rappelle qu'il nous donne tout. Et c'est un sacrifice où Jésus se fait pain pour nous, il devient du pain pour se donner à manger, pour qu'on communie à lui. Donc c'est une autre manière de sacrifice. Mais là, ce sacrifice, donc, il y a tous ces animaux. Alors le problème de ces animaux, c'est que comment, où est-ce qu'on les trouve, les animaux? Oui. À l'état sauvage, alors disons les bœufs et les brebis, ils ont déjà été domestiqués avant, mais sinon ça peut être à l'état sauvage quand on va chasser, hein. Ou bien on va acheter chez le marchand d'animaux, etc. Pour des raisons, pour être très religieux, les gens avaient dit, ils voulaient vraiment faire la différence entre le pur et l'impur, on ne voulait pas acheter des animaux qui peut-être servaient aussi pour des sacrifices de païens, on ne sait pas. Donc bref, on dit, on va vendre les animaux à l'intérieur de l'enceinte du temple. Ce n'était pas un temple comme ici, l'église, avec des murs, et puis là, c'était, il y avait toute une grande enceinte autour, et il y avait donc les animaux garantis comme étant des animaux halal, kasher, enfin, si vous voulez, purs, quoi, pas, voilà, les animaux du temple. Hein. Seulement, avec quoi on va acheter ces animaux du temple, hein? Avec de l'argent. Mais il était interdit aux juifs pieux qui voulaient vivre leur religion de toucher à la monnaie de l'occupant romain, à la monnaie des païens, aux sesterces, à la monnaie romaine. C'était interdit, sous peine de toucher à quelque chose d'impur. Et donc le temple avait sa propre monnaie, monnaie pure, voilà, pure, l'impur, vraiment, enfin tout était etc. Et donc, évidemment, pour que les gens qui arrivaient de l'extérieur avec leur monnaie profane, si vous voulez, avec leur sesterce, puissent acheter la monnaie du temple pour, à l'intérieur du temple, acheter les bœufs et les brebis du temple ou les colombes pour donner pour le sacrifice à l'intérieur du temple. Bref, alors là, bon, il y avait tout un système. Bref, quel est le problème? Bon, alors on peut discuter longtemps là-dessus, mais si vous voulez, je vais aller un peu direct parce que ça risque d'être long, donc je vais raccourcir un peu. Mais finalement, c'est pour des raisons très religieuses, pour respecter strictement la différence entre le sacré et le profane, le pur et l'impur. Enfin, les gens sont plus religieux que Dieu lui-même, hein, alors ils veulent absolument que tout. Alors, il y a tout ce système qui permet, en même temps, ça permet aussi de faire une petite économie, de faire un peu de business. Ça permet aussi aux familles des prêtres de vivre, hein, parce que c'est pas, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche non plus. Il faut bien, hein, faut bien aller faire ses courses. C'est beau, il faut bien qu'ils aillent manger quelque part, il faut bien qu'ils aillent brouter. C'est l'homme en relation à Dieu. Dieu lui dit, tu n'es pas obligé d'être à la remorque de tes besoins. Bon, alors c'est facile à dire, il y a des jours où on a des besoins qui nous mangent, hein, mais bon, mais oui. En tout cas, les 10 paroles, vous voyez, pas d'idole, pas d'idole, pas d'idole, vous voyez, c'est-à-dire, et finalement, la foi en Dieu lui-même, sa personne, même si tu ne le connais pas, il est mystérieux, il est passionnant. Tout à l'heure, je vous ai donné ce livre, là, La parole est un trésor, parce que je vous dis, là, franchement, avec Dieu, on ne s'ennuie jamais. Parce que même tu crois avoir compris quelque chose, mais il y a un moment donné, il te montre d'autres paysages, il t'amène ailleurs. Hein. Alors si tu veux l'enfermer, le mettre en boîte, hein, le mettre dans tes rites, dans tes prières, dans ta manière de faire, dans ce que tu as envie de lui dire, bon, fais-le, bien sûr, dites à votre Père tout ce dont vous avez besoin, mais à un moment donné, Dieu, alors, des fois dans des circonstances difficiles de la vie, mais Dieu t'emmène ailleurs. Et il y a des jours, c'est dur, mais comme il est avec toi, il ne te lâche pas. En nous préparant avec jeunesse et foi à l'animation de cette messe, on chantait le Saint-Esprit est là. C'est pour dire il est là. Hein, ça, tu le ressens pas. Tu as des jours, tu es mieux luné ou pas luné, mais le plus important, c'est que tu es là.
De savoir pardonner à nos frères par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna. Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Sois le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » La mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec Matthieu, notre évêque, avec tous les responsables des églises chrétiennes, tous ceux avec qui nous travaillons au quotidien, tous ceux qui ont la charge de ton peuple, ceux qui prennent leur part de responsabilité dans les communautés. Nous te confions les demandes de secours que l'Esprit Saint est. Et la Vierge vienne en aide de notre sœur Huberte et de tous ceux qui demandent l'aide du Seigneur. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis avant nous dans l'espérance de la résurrection,
tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Te prions pour Elisabeth Ngoyos, sa troisième année, pour la paix de son âme. Et te prions pour Édouard Désiré, décidé il y a un mois, et pour Léna Clerville. Te prions, voilà, chacun aussi pour d'autres auxquels il pense, particulièrement, mais que nous portons, prière des uns et des autres, nous la portons ensemble. Les parents de Vincent, puis, reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi et sur nous tous, enfin. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, avec Sainte Thérèse d'Avila, avec tous les saints dont les enfants du caté portent les noms, voilà. Tout cela, d'autres, que nous soyons ensemble pour chanter, danser ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, ensemble, disons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Seigneur, la vie est parfois compliquée, difficile, mais parfois nous manquons de ceci ou de cela. Certains nous manquent aussi, mais toi, Seigneur, tu es la puissance de donner la vie, la puissance de nous tenir en vie, de nous maintenir en lien et en vie les uns avec les autres, les uns par les autres, par toi, Seigneur. Tu nous tiens, sœurs, dans la charité du Christ, ne bougez pas. Si vous avez un pardon à demander, bah, demandez-le dans votre cœur, voilà. Et échangeons un signe à distance de paix et d'amour. Voilà. Pour ça aussi. Vraiment. Le chant de la fraction du pain. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le Christ, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle.
Domicile, toi seul peux me guider.
chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, ta flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de bon, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre. Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Tiens ma lampe allumée, ta flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vous m'entendez? Alors bonjour à tous. Accrochez-vous, la liste est longue. Il y a beaucoup d'annonces aujourd'hui. Alors. Allô, allô? Ouais, là c'est mieux. Alors, de nombreux catéchumènes, comme vous les avez pu le voir, vont recevoir le baptême à la vigile pascale ou dans le temps de Pâques. Les personnes de l'accueil vont vous distribuer une petite carte avec une prière dessus pour pouvoir prier pour eux. L'ACAT, c'est l'ONG de lutte contre la torture et la peine de mort, nous propose aujourd'hui deux appels sous forme de cartes à envoyer pour Laurent Nkunda qui soit jugé au Rwanda et pour Shen Kuishi et Fang Bin portés disparus en Chine. Les cartes sont à votre disposition dans l'entrée de l'église. Et pour plus d'informations, vous pourrez retrouver Martine. Voilà. Martine, pour, qui vous donnera plus d'informations sur le sujet. Alors, il n'y aura pas d'adoration du Saint-Sacrement aujourd'hui. Et,
Et pour rajouter, il y a tous les mardis soirs, le groupe de Jeunesse et Foi qui avons animé aujourd'hui. Nous nous retrouvons tous les mardis soirs à 20h pour un temps de partage. Alors, un mardi sur deux, je veux dire. Et alors, habituellement, on se retrouvait en présentiel dans la salle 4. Mais là, avec les mesures sanitaires, du coup, on se retrouvera un mardi sur deux, tous les soirs à 20h, sur Zoom. Donc, s'il y a des jeunes qui sont intéressés, d'une tranche d'âge entre 18 et 35 ans, où vous pouvez en parler autour de vous, bah, vous pouvez venir nous voir à la fin de la messe. Et on vous donnera toutes les informations. Alors, pour aujourd'hui, on aura une nouvelle vente des carnets de carême pour ceux qui le désirent, après la messe. Comme chaque année, il y aura des boîtes du Secours catholique pour recevoir des denrées non périssables et qui proviennent de votre propre jeûne. Ces denrées sont récoltées chaque jour et seront données aux personnes de Châtenay qui sont soutenues par le Secours catholique. Toutes les autres annonces seront jusqu'à fin mars dans le J3P. Les dates et horaires pour les célébrations des rameaux et de la Semaine Sainte sont affichées dans la vitrine à l'extérieur de l'église et dans le sas de l'église. Vous avez reçu l'information cette semaine par SMS ou WhatsApp ou peut-être par mail que si vous avez peut-être notre numéro de téléphone ou adresse mail. Ah oui, et à la fin de la messe, pour ceux qui veulent, ce serait bien de venir nous aider à nettoyer les bancs et les chaises. Merci à tous et bon dimanche à tous. Plaisir quand même, élargissons encore. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, bonne semaine, bon carême, bonne nuit s'il y en a qui nous regardent depuis un autre coin de la planète, on ne sait jamais, voilà. Son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui. Tu verras.
Thank you.
Thank you.
Des Juifs l'interpellèrent. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? Jésus leur répondit : Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent : Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais ? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe ce jour-là dans le temple ? Qu'est-ce que Jésus fait avec des cordes ? Ouais, vas-y, dis. Il fait un fouet. Voilà. Il fait un fouet. Qu'est-ce qu'il fait avec ce fouet ? Ouais, on n'entend pas très bien. Hein ? Il chasse les marchands du temple. Hein ? Et il chasse aussi les bœufs et les brebis. Et puis, il jette l'argent par terre, et puis il dit aux marchands de colombes, enlevez cela d'ici.
voyez, avec son fouet, il ne chasse pas les colombes. Hein. Il dit aux marchands de colombes, enlevez cela d'ici. C'est une, je dis ça, c'est pour remarquer que c'est une colère, certainement, mais c'est quand même une colère maîtrisée. C'est-à-dire, ce n'est pas tout à fait le même traitement avec les bœufs, les brebis, qui sont quand même des animaux quand même un peu costauds, les marchands, l'argent par terre, et les colombes, enlevez cela d'ici. Donc Jésus, en fait, a décidé, enfin, tel que c'est raconté, de poser un signe. Un signe parce qu'il y a quelque chose qui le met peut-être en colère, mais ce n'est pas une colère comme nous quand on a un coup de sang, c'est une colère qui exprime quelque chose, qui dit quelque chose. Alors, pourquoi il y a des bœufs dans le temple ? Parce que nous, les bœufs, c'est dans les prairies, hein, d'habitude, ou dans les étables. On n'a pas tellement de bœufs dans les églises. Enfin, si, peut-être des fois dans les crèches, mais ce n'est pas des vrais bœufs. Hein. Ils ne broutent pas. Hein. Pourquoi il y a des brebis ? Parce que le temple de Jérusalem, le temple, c'est l'endroit où les gens font ce qu'on appelle des sacrifices. Des sacrifices, c'est-à-dire qu'ils disent « Moi, je n'arrive pas à donner ma vie à Dieu. C'est un peu compliqué, mais au moins... je lui donne certains de mes animaux, je sacrifie des animaux qu'après on va manger, enfin ça dépend des sacrifices, mais c'est pour te dire, ben, tout ce que je voudrais te donner, ben, je te le donne symboliquement à travers ces animaux. On fait des sacrifices pour remplacer peut-être les efforts que je ne peux pas faire, voilà, donc je fais des sacrifices, je te donne ça. Alors, ces sacrifices, si les gens vont les faire au temple de Jérusalem, c'est, et nous, à la messe, on fait aussi, on appelle un sacrifice. On appelle quelquefois à la messe le saint sacrifice. Sauf que là, il n'y a pas de bœufs, il n'y a pas de brebis, il n'y a pas de colombes. Non. On ne tue pas d'animaux. Le seul qui donne sa vie, c'est Jésus. Il a déjà donné sa vie, il s'est sacrifié, c'est-à-dire il a tout donné pour nous, il a donné sa vie, et donc nous, on se rappelle de ça, on se rappelle qu'il nous donne tout. Et c'est un sacrifice où Jésus se fait pain pour nous, il devient du pain pour se donner à manger, pour... qu'on communie à lui. Donc c'est une autre manière de sacrifice. Mais là, ce sacrifice, donc, il y a tous ces animaux. Alors le problème de ces animaux, c'est que où est-ce qu'on les trouve, les animaux ? Oui. À l'état sauvage, alors disons les bœufs et les brebis, ils ont déjà été domestiqués avant, mais sinon ça peut être à l'état sauvage quand on va chasser. Hein. Ou bien on va... acheter chez le marchand d'animaux, etc. Pour des raisons, pour être très religieux, les gens avaient dit, ils voulaient vraiment faire la différence entre le pur et l'impur. On ne voulait pas acheter des animaux qui peut-être servaient aussi pour des sacrifices de païens, on ne sait pas. Donc bref, on dit, on va vendre les animaux à l'intérieur de l'enceinte du temple. Ce n'était pas un temple comme ici, l'église, avec des murs, et puis là, c'était, il y avait toute une grande enceinte autour, et il y avait donc les animaux garantis comme étant des animaux halal, kasher, enfin, si vous voulez, purs, quoi, pas, voilà, les animaux du temple. Hein. Seulement, avec quoi on va acheter ces animaux du temple, hein? Avec de l'argent. Mais il était interdit aux juifs pieux qui voulaient vivre leur religion de toucher à la monnaie de l'occupant romain, à la monnaie des païens, au sesterce, à la monnaie romaine. C'était interdit, sous peine de toucher à quelque chose d'impur. Et donc le temple avait sa propre monnaie, monnaie pure, voilà, pure, l'impur, vraiment, enfin tout était, etc. Et donc, évidemment, pour que les gens qui arrivaient de l'extérieur avec leur monnaie profane, si vous voulez, avec leur sesterce, puissent... acheter la monnaie du temple pour, à l'intérieur du temple, acheter les bœufs et les brebis du temple ou les colombes pour donner pour le sacrifice à l'intérieur du temple. Bref, alors là, bon, il y avait tout un système. Bref, quel est le problème? Bon, alors on peut discuter longtemps là-dessus, mais si vous voulez, je vais aller un peu direct parce que ça risque d'être long, donc je vais raccourcir un peu. Mais finalement... c'est pour des raisons très religieuses, pour respecter strictement la différence entre le sacré et le profane, le pur et l'impur. Enfin, les gens sont plus religieux que Dieu lui-même, hein. Alors ils veulent absolument que tout... Alors il y a tout ce système qui permet, en même temps ça permet aussi de faire une petite économie, de faire un peu de business, ça permet aussi aux familles des prêtres de vivre, hein, parce que c'est pas, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche non plus, il faut bien aller faire ses courses. Ces bœufs, il faut bien qu'ils aillent manger quelque part, il faut bien qu'ils aillent brouter. C'est l'homme en relation à Dieu. Dieu lui dit,
Tu n'es pas obligé d'être à la remorque de tes besoins. Bon, alors c'est facile à dire, il y a des jours où on a des besoins qui nous mangent, hein, mais bon, mais oui. En tout cas, les 10 paroles, vous voyez, pas d'idole, pas d'idole, pas d'idole, vous voyez, c'est-à-dire, et finalement, la foi en Dieu lui-même, sa personne, même si tu ne le connais pas, il est mystérieux, il est passionnant. Tout à l'heure, je vous ai donné ce livre, là, La parole est un trésor, mais parce que je vous dis, là, franchement, avec Dieu, on ne s'ennuie jamais, parce que même tu crois avoir compris quelque chose, mais il y a un moment donné, il te montre d'autres paysages, il t'amène ailleurs. Hein. Alors si tu veux l'enfermer, le mettre en boîte, hein, le mettre dans tes rites, dans tes prières, dans ta manière de faire, dans ce que tu as envie de lui dire, bon, fais-le. Bien sûr, dites à votre Père tout ce dont vous avez besoin, mais à un moment donné, bah, Dieu, alors, des fois dans des circonstances difficiles de la vie, mais Dieu t'emmène ailleurs. Il y a des jours, bah, c'est dur, mais comme il est avec toi, il ne te lâche pas. En nous préparant avec Jeunesse et Foi à l'animation de cette messe, on chantait « Le Saint-Esprit est là ». C'est pour dire « Il est là hein, ». Ça, tu le ressens pas, tu as des jours, tu es mieux luné ou pas luné, mais le plus important, c'est qu'il est là. Et avec tout parmi, c'est qu'il est là.
De savoir pardonner à nos frères par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint le Seigneur de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. La mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec Matthieu, notre évêque, avec tous les responsables des églises chrétiennes, tous ceux avec qui nous travaillons au quotidien, tous ceux qui ont la charge de ton peuple, ceux qui prennent leur part de responsabilité dans les communautés. Nous te confions les demandes de secours que l'Esprit Saint et la Vierge vienne en aide de notre sœur Huberte et de tous ceux qui demandent l'aide du Seigneur. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis avant nous dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Te prions pour Elisabeth Ngoyos, sa troisième année, pour la paix de son âme. Nous te prions pour Édouard Désiré, décidé il y a un mois, et pour Léna Clerville, te prions, chacun aussi pour d'autres auxquels ils pensent particulièrement, mais que nous portons, prière des uns et des autres, nous la portons ensemble. Aux parents de Vincent, puis, reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi et sur nous tous, enfin. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, avec Sainte Thérèse d'Avila, avec tous les saints dont les enfants du caté portent les noms, tout cela, d'autres, que nous soyons ensemble pour chanter, danser ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur. Ensemble, disons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Seigneur, la vie est parfois compliquée, difficile, mais parfois nous manquons de ceci ou de cela, certains nous manquent aussi, mais toi, Seigneur, tu es la puissance de donner la vie, la puissance de nous tenir en vie, de nous maintenir en lien et en vie les uns avec les autres, les uns par les autres, par toi, Seigneur. Tu nous tiens, sœur, dans la charité du Christ, ne bougez pas. Si vous avez un pardon à demander, demandez-le dans votre cœur, et échangeons un signe à distance de paix et d'amour. Vraiment. Voilà.
chantons le chant de la fraction du pain. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Soif de toi.
Ce soir je viens manger ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi. Chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée d'un flamme si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de bon, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre. Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Tiens ma lampe allumée, flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Tiens ma lampe allumée, ta flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Thank you.
un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vous m'entendez? Alors bonjour à tous. Accrochez-vous, la liste est longue. Il y a beaucoup d'annonces aujourd'hui. Alors. Allô, allô? Ouais, là c'est mieux. Alors, de nombreux catéchumènes, comme vous les avez pu le voir, vont recevoir le baptême à la vigile pascale ou dans le temps de Pâques. Les personnes de l'accueil vont vous distribuer une petite carte avec une prière dessus pour pouvoir prier pour eux. L'ACAT, c'est l'ONG de lutte contre la torture et la peine de mort, nous propose aujourd'hui deux appels sous forme de cartes à envoyer pour Laurent Nkunda qui soit jugé au Rwanda et pour Chen Kuishi et Fang Bin portés disparus en Chine. Les cartes sont à votre disposition dans l'entrée de l'église. Et pour plus d'informations, vous pourrez retrouver Martine. Voilà. Martine, pour, qui vous donnera plus d'informations sur le sujet. Alors, il n'y aura pas d'adoration du Saint-Sacrement aujourd'hui. Pour rajouter, il y a tous les mardis soirs le groupe de Jeunesse et Foi qui avons animé aujourd'hui. Nous nous retrouvons tous les mardis soirs à 20h pour un temps de partage. Alors, un mardi sur deux, je veux dire. Et alors, habituellement, on se retrouvait en présentiel dans la salle 4. Mais là, avec les mesures sanitaires, du coup, on se retrouvera un mardi sur deux, tous les soirs à 20h, sur Zoom. Donc, s'il y a des jeunes qui sont intéressés, d'une tranche d'âge entre 18 et 35 ans, où vous pouvez en parler autour de vous, vous pouvez venir nous voir à la fin de la messe et on vous donnera toutes les informations. Alors, pour aujourd'hui, on aura une nouvelle vente des carnets de carême pour ceux qui le désirent, après la messe. Comme chaque année, il y aura des boîtes du Secours catholique pour recevoir des denrées non périssables et qui proviennent de votre propre jeûne. Ces denrées sont récoltées chaque jour et seront données aux personnes de Châtenay qui sont soutenues par le Secours catholique. Alors, toutes les autres annonces seront jusqu'à fin mars dans le J3P. Les dates et horaires pour les célébrations des rameaux et de la Semaine Sainte sont affichées dans la vitrine à l'extérieur de l'église et dans le sas de l'église. Vous avez reçu l'information cette semaine par SMS ou WhatsApp ou peut-être par mail que si vous avez peut-être notre numéro de téléphone ou adresse mail. Ah oui, et à la fin de la messe, pour ceux qui veulent, ce serait bien de venir nous aider à nettoyer les bancs et les chaises. Merci à tous et bon dimanche à tous. Plaisir quand même, élargissons encore. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Voilà,
bonne semaine, bon carême, bonne nuit s'il y en a qui nous regardent depuis un autre coin de la planète, on ne sait jamais, voilà. Son amour, ta foi paraîtra comme un soleil en plein jour. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui. Silence.